m'a ému également. Mais je ne sais si je peux intervenir dans les affaires du prévôt et du seigneur. J'hésite. Il se couche, il s'endort. Dame Hersant sort. Entre le vieux et la vieille avec tout un attirail. La vieille saisit doucement la main du chevalier et la frotte avec la graisse. Le vieux verse d'un coup d'un seul sur le chevalier le saut de bière et les estimants. Il s'éveille en sursaut, très mécontent. On m'attaque ! On m'attaque ! Qui ? Quoi ? Qu'est-ce à dire ? Oh, pardonnez-nous, messire, mais le prévôt a confisqué nos vaches jusqu'à paiement de la dîme. Et nos amis nous ont conseillé, tour à tour, de l'arroser, la pâter et lui graisser la pâte. Dame Hersant nous a alors conseillé de faire appel à vous. Oui, nous savons sauver vos vaches, vos vaches, vos pauvres vaches. Vous m'avez bien mouillé dans votre affaire. Moi qui hésitais, vous m'avez fait bien rire. Je vais séant voir le prévôt. Que d'amis de si bons conseils. Et même si la méthode a de quoi surprendre, gardons-la en morale de notre bonne histoire. Naïveté et sincérité sont bien moins vaches que tactique et félonie.